Bonjour, je m'appelle Véronique et je viens vous raconter aujourd'hui un des épisodes les plus importants de ma vie et les plus réjouissants surtout. Et cet épisode de ma vie s'est passé en Égypte pendant 5 ans avec les dauphins. Et j'aime beaucoup raconter cette histoire parce que elle était improbable. Il y avait toutes les chances que ça ne se passe pas. Et si j'avais dû entamer des démarches à partir du fait de croire que ça pouvait se passer ou pas, je ne les aurais jamais entamées, je n'aurais pas levé le petit doigt. Mais j'ai été guidée avec le cœur, j'ai suivi les élans de vie intérieure et c'est ça qui m'a guidée pour réaliser ce rêve d'enfant. La revoilà qui vient. Et on se met à l'eau tous les 7. Et on nage. Alors elle nous fait nager en rond comme ça. Elle effectue des ronds devant la plage et des grands ronds. Et puis ben nous, on la regarde, on a les mains comme ça le long du corps, et puis on l'observe, et puis moi je suis fascinée, quoi. Je ne regarde qu'elle, j'essaye d'intégrer chaque seconde, de vivre chaque seconde en conscience. C'est magnifique, c'est éblouissant, c'est fascinant, c'est waouh. Et puis quand même, au bout d'un petit temps qui me paraît assez long, je me dis, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe pour les autres? Alors je regarde à droite, je regarde à gauche pour voir ce qui se vivait. Et plus personne. Alors j'ai appris après qu'il y en avait un qui était fatigué, l'autre qui avait faim, l'autre qui en avait assez, l'autre qui avait froid, enfin que sais-je. Mais ils étaient tous partis et je nageais toute seule avec cette dauphine qui était accompagnée de sa fille, parce qu'elle était toujours accompagnée de sa fille. Donc je nageais toute seule avec deux dauphins. Donc là déjà, pour moi c'était une réponse. Mais ça ne s'est pas terminé là. Alors dans ces cas-là, ce qu'il faisait, c'est que il prenait son élan dans le bassin, donc il filait à toute allure comme ça, il faisait un grand rond et il se projetait sur la plage, sur la petite plage immergée où il y avait un sol en plastique. Et moi, je l'attendais sur ce sol en plastique qui glisse évidemment avec l'eau qui l'amène du bassin. Et donc, il me rentrait dedans et on glissait tous les deux comme un seul corps sur quelques mètres. Et ça, c'était déjà hyper joyeux. Ça. Il y avait une énergie là-dedans, c'était, je ne sais pas comment vous dire, mais c'était délicieux en tout cas pour moi. Et puis une fois que le dauphin était là, il savait que c'était pour des petites papouilles, des massages, enfin que c'était pour que je prenne soin de lui. Et donc il se mettait les nageoires comme ça, et il disait, enfin je croyais qu'il me disait, vas-y, fais ce que tu veux, je suis à ta disposition. Et donc je les caressais, je les massais, je leur faisais des bisous, je m'occupais d'eux, et ça les détendait tellement que leur nageoire, ils faisaient comme ça et ils se détendaient et la nageoire tombait. Et ce jour-là, donc on a fait ça, on s'est retrouvés sur cette petite plage, il a mis ses nageoires comme ça. Moi j'ai mis ma tête sur son cœur là, entre ses deux nageoires. Et au lieu de se détendre comme ça, il a refermé les nageoires et il m'a pris dans ses bras. Il m'a pris dans ses nageoires en fait. Et c'était tellement beau et tellement... J'ai senti tellement de reconnaissance de la part de ce dauphin. Il me disait, mais t'es là.